Sophie, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Alors là, j'ai voulu faire un maquillage plutôt dans des couleurs vraiment très tendres, tout dans la douceur, parce que j'avais vraiment envie de quelque chose de doux au niveau du regard. Alors par contre, je suis désolée, dans la vidéo, au moment où je me maquille, je suis dans l'ombre, donc du coup, c'est dommage, ça ressort un petit peu moins. Là, je me suis rapprochée de la fenêtre, donc du coup, ça fait plus sympa et en fait, ça ressort un petit peu mieux. Voilà. Donc là, ça va être avec la palette des 168 couleurs, donc de eBay. Voilà, une très très jolie palette. Un vrai régal, donc pour celles qui aiment se maquiller avec des couleurs. Donc vraiment, les filles, je vous la conseille, je vous recommande même d'aller voir cette petite palette. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire malgré que je sois un petit peu dans l'ombre au niveau du tuto. Je vous mets quand même des photos comme d'habitude. Et donc, je vous laisse avec les explications. J'ai déjà donc appliqué une base, donc là c'est Too Faced Insurance, voilà, qui est plutôt pas mal. Je préfère la Urban Decay, mais celle-ci est plutôt bien. Ensuite, j'ai appliqué une base blanche, donc ça c'est le Jumbo NYX Milk, le 604. Donc c'est un crayon vraiment assez gras, qui va permettre donc une meilleure accroche pour les fards qui sont assez clairs. Là maintenant, je vais prendre donc ma palette où il y a un tas de couleurs, je crois que c'est 168 couleurs. Et on va prendre cette partie-là. Voilà. On va travailler beaucoup avec ces trois couleurs-là et ce mauve ici, en fait. J'espère que je vous ai bien montré. Trois couleurs-là, donc celle-ci. Donc là, on va commencer par un blanc, tout simplement. Et nous allons venir donc le prélever avec un pinceau donc plat comme ceci. Là, c'est un Babyliss. Et donc, je vais venir le prélever pour en mettre dans le coin interne de mon œil. Je descends en bas. Je vais donc maintenant prendre un rose bébé, j'appelle ça un rose bébé, c'est un rose très pâle. Il est vraiment sublime celui-là, j'aime beaucoup. Donc là, on va prendre celui-ci. Voilà, donc là, je vais prendre un pinceau plat comme cela. Donc là, c'est à Sephora. Celui-ci, vous ne le retrouvez pas chez Sephora, vous le retrouvez plus, ils l'ont arrêté chez Sephora. Mais vous avez d'autres pinceaux qui sont vraiment très très bien également. Et donc là, je vais venir le déposer sur le milieu de ma paupière en rejoignant le blanc donc, que nous avons mis dans le coin interne tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ceci, je vais donc prendre cette espèce de bleu très clair aussi, un bleu très 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 clair. Donc on va prendre celui-ci. Et donc là, je vais prendre un autre pinceau donc de Babyliss. Donc là, c'en est un autre. Et je vais venir le déposer dans le coin externe, donc le petit quart qui me reste du coin externe. Une fois donc que j'ai terminé sur ma paupière mobile, on va s'attaquer donc au creux de paupière, pardon les filles. Et donc je vais prendre ce mauve là, qui est un mauve plutôt clair, mais qui est quand même donc plus intense que les autres couleurs. Donc on va prendre ce mauve-ci en fait. Et donc là je vais prendre un pinceau précision, donc là c'est un ELF Small Precision Brush. Voilà, donc j'en prends sur le bout de mon pinceau et je vais venir donc dessiner mon creux de paupière. Je viens vraiment au-dessus du creux, je ne mélange pas le bleu ni le rose. Je m'arrête au niveau du rose en fait. Voilà. J'en reprélève, j'en mets en racine du bas. Une fois que nous avons fait ceci, je vais donc reprendre donc le rose de tout à l'heure avec le même pinceau. Et je vais donc le déposer donc au milieu de ma paupière du bas, de mon ras du bas, pardon. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir donc estomper le mauve. Donc là, je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Donc là, c'est un Babyliss. Et je vais venir simplement flouter les bords pour donner donc un maquillage fumé. Donc à la limite, je relève un petit peu de mauve. J'en remets dans le coin externe. Une fois que ceci est fait, je vais donc reprendre mon bleu de tout à l'heure, donc le bleu bébé que nous avons pris. Voilà. Et donc là, je vais en remettre sur le coin externe de mon ras de cils du bas.
Je vais prendre un blanc un petit peu qui tape dans les jaunes, mais alors très très léger, donc ça sera celui-ci. Voilà. Avec un pinceau fluffy comme cela, et donc je vais venir le déposer sur la quête sourcilière. Donc là, on a fini au niveau des fards, on va maintenant s'occuper des crayons. Et là, en crayon, je vais prendre le Scandalize de Rimmel, pardon, ici, que je viens déposer en ras de cils, donc du haut, et que je vais venir donc après estomper par la suite. Donc là, on prend notre temps et on le met vraiment au ras des cils. Maintenant, donc, je viens l'estomper avec mon petit pinceau que j'ai trouvé donc, dans le Master Grama, le gel. C'est ce pinceau-là. Et donc, j'estompe tout en restant bien en ras de cils. Maintenant, je vais donc m'occuper de ma muqueuse inférieure. Et donc là, j'ai voulu prendre les nouveaux Master Grama chromatiques. Donc là, j'ai voulu prendre un mauve qui est vraiment très très sympa. Facile d'application, ça glisse tout seul. Voilà, il est vraiment très intense. Donc là, on va le mettre en muqueuse du bas. Et enfin, pour terminer les yeux, donc j'ai voulu prendre un mascara. Et là, j'ai voulu prendre le volume Glamour Max donc de Maybelline, qui est vraiment exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Donc là, je vais y déposer deux couches. Et là, pareil, je prends mon temps pour éviter donc, de me mettre du mascara donc, sur la paupière. Donc voilà les filles, les yeux c'est terminé. Donc vous voyez, on reste vraiment dans quelque chose de très doux. Je trouve très doux, très féminin avec ce rose, ce mauve, ce bleu très clair. Donc c'est ce que je voulais absolument faire aujourd'hui. Donc là au niveau donc, du regard, c'est terminé comme je vous disais. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi sert vraiment la touche magique donc, de L'Oréal. Car j'ai une de mes abonnées, j'en ai même plusieurs, qui m'ont demandé si vraiment c'était vraiment à quoi ça servait vraiment. Et si c'était vraiment efficace. Donc je vais venir donc l'appliquer sous ma cerne. Vous allez voir par rapport à l'autre œil que c'est différent. Donc, je vous montre. Donc en fait ça se présente comme ceci en fait en pinceau et je tourne pour avoir la matière. Donc moi je l'applique directement sur mes doigts. Vous voyez, ça tire un petit peu sur les jaunes et c'est plus clair. Donc je tapote et j'en mets sur ma cerne. Et vous allez voir que ça illumine vraiment. Alors j'espère que vous allez bien voir, c'est comme j'ai... Je suis dans l'ombre, malheureusement, le matin, je suis dans l'ombre, dans mon petit chez moi. Donc, des fois, ça ressort pas trop comme je voudrais. Alors, j'essaie de bien dans le coin interne, en fait, parce que c'est toujours ce côté-là qui est un petit peu foncé. Voilà, et donc là, vous voyez, ça illumine vraiment. Alors, j'espère que vous allez vraiment bien voir, parce que c'est important. Donc, voilà. Donc, je trouve vraiment que c'est un côté vraiment assez illuminateur, qui est plutôt sympa. Donc, je vais faire l'autre œil maintenant. C'est peut-être pas flagrant à la caméra, parce que j'ai vu que je ressortais fatiguée, alors je ne le suis pas du tout en vrai. Je pense que c'est par rapport aux ombres que je peux avoir dans la maison. Et donc je tapote, bien sûr, pour éviter, donc, pour donner de l'intensité, éviter que ça aille trop dans les plis, pour vraiment donner un bon résultat au niveau du produit, parce que si j'étale la matière, c'est comme si j'allais ben, ne rien mettre. Voilà. Alors comme vous pouvez constater les filles, je me suis fait un chignon. Donc qui dit chignon dit petit contouring. Donc là j'ai ressorti ma terracotta de Guerlain que j'aime énormément, je m'étais acheté l'année dernière. Donc là comme moi je fais partie des peaux très claires malgré que je sois brune. Là c'est la 05 Sun Brunette, donc c'est la light, la terracotta light. Donc je vous conseille de ne pas prendre trop foncé, sinon ça va faire un petit peu zarbi. Avec, je vais prendre donc mon petit pinceau que j'avais dans mon blush Chanel que j'aime énormément pour faire mon contouring. Et donc je vais faire mon contouring de suite. Je viens donc dans le creux, je remonte et je redescends. Donc hop, sur les boucles d'oreilles, ça peut être sympa. Donc là, c'est vrai que ça donne rien. J'en mets un petit peu sur la de mon nez. Hop. Sur les ailes de mon nez, pardon, les filles. On va restomper tout ça après. Donc là voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre donc mon kabuki de LF que je garde donc pour estomper donc ma terracotta. Et donc je vais venir estomper tout ça pour éviter donc quelque chose de bizarre. Donc j'estompe.
Donc là, au niveau du blush, on va rester dans le rose. Et là, j'ai voulu prendre mon Kiko, la Sun Bronzing Blush, le Mariachi Pink, le 103. Alors, je vais vous montrer comme ça, mais je vais vous le... moi, quand je l'utilise, j'utilise toujours mélangé. Donc, ça donne vraiment un rose très pâle et plutôt sympa. J'aime beaucoup celui-ci. Donc, voilà le genre de blush que ça donne. Voilà, donc ce genre de rose-là. Donc là, je vais prendre mon autre kabuki que je garde donc pour les blushs. Donc c'est celui-ci. Et donc là, je vais venir le déposer sur mes pommettes et je remonte toujours pareil. Et pour donc donner de la lumière à tout ça, je vais donc prendre un highlighter. Donc là, c'est mon Kiko. Voilà, donc en teinte 01. Donc là, c'est un highlighter qui tire un petit peu sur les dorés. Donc là, je le mets sur la frange de mon doigt et je viens le déposer donc sur l'os. Vous voyez, c'est très lumineux, c'est très très joli. Je le dépose sur la glace cilière. Et je viens donc prendre un pinceau, donc comme ça, biseau fin. J'en prends sur le bout et j'en mets juste dans le coin interne de mon regard. Et enfin les filles, le rouge à lèvres. Donc là je vais faire un petit mélange des deux parce que je voulais un nude mais pas trop nude. Sinon ça va faire un make-up vraiment très fade et ce serait dommage. Donc là je vais prendre un rimmel dont je suis un tout petit peu déçue au niveau de la couleur. C'est le 006 Pink Blush qui est un rose. Alors je croyais que c'était un rose comme ça mais en fait non, vous allez voir. Il est pas... Enfin là il fait super joli, vous allez voir sur les lèvres, c'est pas un rose comme ça que je voulais. C'est un rose un peu plus chaud. Donc on va venir le déposer déjà en premier lui. Je prends un autre, je mets Maybelline, donc là c'est le 721, le Pink Beige, qui est un nude rosé, mais assez foncé quand même. Donc ce qui est plutôt sympa pour un nude, parce que je trouve que les nudes sont toujours très blancs, c'est dommage. Donc là on va venir le déposer par-dessus. Voilà les filles, donc cette petite vidéo est terminée, alors j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres make-up dans ce genre, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert. Je serai donc vous êtes intéressé par ce genre de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir la palette donc 168 couleurs sur eBay parce qu'elle est vraiment très intéressante. Je vous invite vraiment à aller voir donc cette petite palette là et à l'essayer. Voilà les filles. Donc comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.